pour moi, le cœur est un muscle très important de mon organisme. Et donc, à partir de là, il faut que j'y prête une attention particulière pour pouvoir continuer à faire mon métier de manière la plus plaisante possible. Boire 3-4 gorgées d'eau toutes les 30 minutes d'exercice. Dans l'histoire du sport, on interdisait de boire. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que le corps avait besoin de s'hydrater pour pouvoir justement continuer à être performant, à être fonctionnel. Et c'est vrai que, on se rend compte qu'aujourd'hui, qu'il est important de boire de manière régulière et pas d'une grosse quantité d'un coup et après ne plus boire, mais de boire des petites doses de manière régulière pour permettre au corps et au cœur de pouvoir avoir une fonctionnalité qui soit optimale. Toujours pratiquer un bilan médical avant de reprendre le sport, à partir de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes. C'est vrai que quand on est en reprise d'activité ou en début d'activité, quel que soit son passé sportif ou non sportif, c'est important d'aller consulter un médecin qui va nous faire un diagnostic de notre état physique et historique de nos blessures pour pouvoir justement avoir une première prévention, pour pouvoir justement orienter notre travail et permettre à une reprise progressive et pas du tout dangereuse pour notre santé, pour notre corps. Signalez à votre médecin toute douleur dans la poitrine, palpitations ou malaise, survenant pendant l'effort ou juste après. C'est important dans une reprise d'activité, quelle qu'il soit, de signaler une douleur quelconque au niveau de la poitrine. C'est important pour le sportif et pour la personne qui est en reprise d'activité, pour ne pas prendre de risques et permettre justement à son corps et surtout au médecin de faire la prévention. Donc signaler très très tôt quand vous ressentez des douleurs au niveau de la poitrine. Mais le cœur représente tout dans la mesure où c'est le muscle essentiel de notre vie. C'est pour moi un élément important pour pouvoir faire une quelconque activité, et pouvoir prendre du plaisir à jouer sur les terrains de rugby, à être avec les amis. Donc c'est important d'être à l'écoute de son cœur et de permettre à son cœur de pouvoir fonctionner de manière optimale pour le bien-être de tous. Le sport absolument, mais pas n'importe comment.